Le village reprend son labeur traditionnel, bien que les champs soient encore recouverts de neige. Durant l'hivernage, le fumier s'est entassé devant les étables. Il s'agit maintenant de l'épandre sur les pentes d'où l'été fera surgir de nouvelles récoltes. Elles seront abondantes dans la mesure où l'on restituera au sol les éléments fertilisants. On exhume de la cave les pommes de terre hivernées. Les meilleures deviendront des semenceaux. Taillées en morceaux, les tubercules devront se multiplier. La part congrue ainsi livrée à la terre est censée produire abondamment pour les besoins familiaux et pour ceux de la consommation. Selon la méthode traditionnelle, on dispose un à un les semenceaux parmi les mottes. On les recouvre à la pioche afin qu'ils puissent germer et tubériser. Les parcelles sont livrées à elles-mêmes, éparses sur les coteaux exposés aux intempéries comme au soleil ardent. La récolte est à la mesure des peines. Courbés, à genoux même, les montagnards retournent les sillons, des mains prestes et agiles récupèrent les trésors enfouis. Ici moins, là un peu plus, mais chose évidente, la prolifération des mauvaises herbes ne se fait qu'au détriment de la récolte. Quoi qu'il en soit, les paysans témoignent de la satisfaction devant la nourriture que les mêmes champs leur donneront pour le prochain hiver. Peu importe que les tubercules soient grands ou petits, rouges, jaunes ou tachetés. N'a-t-on pas toujours procédé ainsi depuis des générations ? On s'en est transmis la coutume de père en fils et l'on pensait la perpétuer encore. Cependant, un beau jour, il est venu des experts. Au cours de leur visite, ils ont décelé les erreurs, relevé les fautes commises. Les faibles rendements, dirent-ils, sont dus aux semenceaux défectueux et aux méthodes de culture périmées. Les montagnards ont alors dressé l'oreille. Voyez-vous, mes amis, ces pommes de terre sont malades parce que les plants étaient malades. Cela est dû au fait que vous conservez les pommes de terre en tas durant l'hiver.
Tout s'y trouve mêlé, les bonnes, les mauvaises, les pourries. Au printemps, on s'efforce bien de choisir les meilleures pour le plantage, mais comment discerner les bonnes des mauvaises? On les plante souvent au hasard, sans ordre, dans des champs utilisés pour la pomme de terre des années de suite. Il y a plus. Une fois plantées, on les livre à elles-mêmes. Au moment de la levée, les jeunes plantes sont déjà recouvertes de mauvaises herbes. Pour le sarclage, il faut être bien habile pour les découvrir. Voici sous nos yeux une plante dégénérée. Elle est atteinte des virus de la dégénérescence. Les plantes ainsi touchées sont sans vigueur et n'émettent presque pas de tubercules. Voyez cette vieille pomme de terre qu'on a plantée. Qui croirait qu'elle est si gravement malade? Les plants virosés germent mal et sans force. Les germes trop faibles ne peuvent pas percer la couche de terre durcie qui les recouvre. C'est pour ce motif que la levée des plantes est si irrégulière. Ces erreurs ne seront corrigées ni par le fumier, ni par les engrais chimiques. Le seul moyen efficace est l'utilisation des plants sains. Vous devez renouveler complètement vos semenceaux par des plants sélectionnés garantis sains. Dans nos montagnes, la pré-germination présente un double avantage. Au printemps, on gagne 2 à 3 semaines sur la période de croissance. En automne, le rendement est nettement meilleur. Donc, si nous voulons assurer une bonne récolte, utilisons des plants sains pré-germés. Selon les variétés, les germes ont une forme et une coloration caractéristiques. En résumé, nos coteaux élevés sont très favorables à la production de plants sains. Lors de ma prochaine visite, je vous exposerai ces choses plus en détail et vous en tirerai les conclusions qui s'imposent. L'exposé de l'expert n'est pas resté lettre morte. Au printemps suivant, les montagnards avisés se sont unis dans l'intention de produire des plants sélectionnés et de se procurer ainsi de nouvelles ressources. Au préalable, ils ont naturellement reçu tous les conseils techniques nécessaires. On n'obtient rien sans effort et sans peine. Le nouveau mototreuil retourne d'un seul trait les parcelles de plusieurs agriculteurs. Les plants de premier choix sont arrivés et préparés pour la plantation. Des sillons rectilignes, des distances régulières entre les plants faciliteront grandement les travaux ultérieurs. Sarcler, ameublir constamment la terre, voilà ce qu'exige la pomme de terre, toujours avide d'air, pour prospérer. Les plantes malades doivent être éliminées dès la levée et à tous les stades de la végétation. Dans les champs de pommes de terre, il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes ni pour les parasites. Les jeunes cultures sont bien nettoyées. En procédant au butage, on ameublit la terre à nouveau. Les hautes buttes donnent un meilleur soutien aux plantes qui produisent d'abondantes fans. Le bon sélectionneur surveille périodiquement ses champs. Il extirpe les plantes suspectes afin d'éviter que les agents pathogènes n'infectent les autres. Malheur si l'expert visiteur devait déceler des foyers d'infection. Lorsque le bétail descend des alpages, le moment est venu de commencer la récolte. Elle apportera aux agriculteurs assidus la juste rémunération de leur peine. Des pommes de terre prometteuses sont exhumées.
Au moyen d'un calibre, on effectue un premier triage pendant le ramassage. Les tubercules de moyenne grosseur sont prélevés pour les plants. Les plus gros serviront à l'alimentation. Les petits et ceux qui sont blessés serviront à l'affouragement du bétail et des porcs. Grâce au bon rendement, les 4 heures se prennent avec plus de satisfaction et de plaisir. Après un entreposage de quelques semaines dans un local bien aéré, les plants sont à nouveau triés soigneusement et conditionnés pour la livraison. Ici, le contrôleur a déclaré la marchandise bonne. Chaque sac est muni d'un certificat de garantie officielle et de l'étiquette du syndicat de sélectionneurs. Finalement, il plombe les sacs. Lorsqu'apparaissent brusquement les premières bourrasques de l'hiver, il faut hâter l'expédition des plants préparés. Les recettes complémentaires qu'il procure, autrefois inconnues, doivent enfin permettre de procéder aux achats indispensables. Cette première étape a heureusement été menée à bien. Ceux qui en ont pris l'initiative peuvent regarder l'avenir avec confiance. L'année suivante, d'autres agriculteurs dans d'autres vallées alpestres s'efforcent d'améliorer leur situation économique. Ils appliquent systématiquement les nouvelles méthodes et utilisent les outils mécaniques appropriés. Ils se procurent d'abord des plants de première qualité et les mettent ensuite à pré-germer dans des plateaux. Seulement indispensable, la pomme de terre remplacera maintenant les céréales de l'an dernier. L'aménagement de distances régulières dans la plantation, des travaux d'entretien bien menés, témoignent de l'intelligence et de l'ardeur du sélectionneur. Peu à peu, les premiers champs sont plantés. Les plants pré-germés sont parvenus au stade de croissance convenable. Cette préparation intéresse surtout les variétés tardives. L'effort en sera récompensé par une végétation plus vigoureuse. Outre l'usage de mototreuil, celui de tracteurs mono-axes, adapté aussi aux terrains en pente, est toujours plus apprécié à la montagne car il facilite grandement les travaux. Il en est de même des outils aratoires légers et pratiques qui allègent l'effort des sarclages répétés. Voici qu'un planteur avisé s'est même procuré un outil poussette aux pièces interchangeables. Bien entendu, il n'omettra pas de donner en temps opportun à son champ la fumure complémentaire indispensable. Bien soignés,
De telles cultures réjouissent toujours les connaisseurs. Des traitements préventifs sont nécessaires si l'on veut éviter les parasites et le mildiou provoqués par le mauvais temps. Sur les coteaux particulièrement exposés du Valais, l'irrigation est indispensable, que ce soit au moyen d'écoulement libre ou que ce soit par aspersion. On parcourt de temps en temps chaque parcelle afin d'y détecter les plantes virosées ou d'y déceler l'infection primaire. Ici, par exemple, cette mesure est entreprise même dans les champs à végétation fortement développée. Les plantes malades sont extirpées radicalement. L'expert effectue deux visites pour apprécier l'état sanitaire et l'uniformité des cultures. Ce fait constituera finalement un bon certificat pour le producteur. Jetons un regard dans les coulisses du savant. Les pucerons minuscules exigent un nettoyage sévère des cultures. Ces insectes sucent la sève des feuilles. Très prolifiques et volant d'une plante à l'autre, ils sont de dangereux propagateurs de maladies à virus. C'est pourquoi les stations d'essais agricoles font prélever périodiquement des feuilles de pommes de terre prises au hasard dans toutes les régions productrices. En outre, on répartit dans les cultures des bols remplis d'eau comme piège jaune pour les pucerons. On détermine ainsi la fréquence et l'évolution de ces insectes. L'étude de ces données permet de surveiller constamment l'évolution des pucerons et, partant, de fixer la date de la récolte dite prématurée. La récolte prématurée est obligatoire pour les plants de haute qualité de la classe A. Au moment fixé, les fans doivent être arrachés afin d'éviter l'infection des tubercules par les virus. Les tubercules demeurent ensuite en terre jusqu'à maturité. Et la récolte recommence, mécanique à l'aide de l'arracheuse ou traditionnelle au moyen de toutes sortes d'outils. Les sillons libèrent avec abondance leur précieux contenu. Souche après souche, la récolte s'amplifie. Ici encore, le rendement atteste du savoir et de l'application du planteur. La multiplication à un tel rythme et avec une telle générosité transforme le labeur en plaisir et en émulation. La bénéfique et abondante récolte se concentre dans les maseaux et dans les caves. Il s'agira de la garder à l'abri des rigueurs hivernales. C'est dans sa cave que le paysan entrepose les pommes de terre. D'un côté le fromage, de l'autre son complément indispensable, la pomme de terre, lorsqu'il s'agira de faire grésiller devant la braise la fameuse raclette valaisanne. Ainsi, les deux partenaires de ces hautes délices commencent par lier connaissance dans une cave salubre. Les plants qui n'ont pas trouvé preneur en automne sont hivernés au village. On les conditionne pour la vente au printemps. Là encore, la vente sera rémunératrice. Un triage consciencieux est une affaire d'honneur. Les gros tubercules sont réservés à la cuisine et le surplus est destiné à l'affouragement. L'expert de la Fédération suisse des sélectionneurs vérifie le poids de chaque sac avant la prise en charge.
Sa tâche principale consiste ensuite à contrôler la qualité du plant. Avec beaucoup de perspicacité, il s'applique à découvrir les tubercules trop petits, malades ou endommagés. Seuls les plants sains, triés d'une façon irréprochable, peuvent satisfaire les acheteurs avertis et gagner leur confiance. Enfin, le contrôleur prélève dans les sacs de chaque producteur, au hasard, un certain nombre de tubercules qui constitueront un échantillon moyen. Cet échantillon est d'abord soumis à divers tests par les stations d'essais agricoles afin de s'assurer de l'absence de toute maladie à virus. Plus tard, la valeur sanitaire sera mise à l'épreuve par le contrôle en culture dans des champs d'essais. Des vallées alpestres, les expéditions se succèdent à destination de la plaine. Elles y sont attendues par d'autres agriculteurs qui s'en servent pour planter leurs champs en vue de la consommation ou de l'affouragement. Dans l'intervalle, le montagnard a reçu la juste rémunération de son travail. Les plants de qualité valent en effet leur bon prix. Sachant que le montagnard accomplit un labeur bien plus ardu que le sien, son frère de la plaine n'hésite pas à l'en récompenser. Les produits de parfaite qualité que l'un tire de son modeste champ grâce aux soins les plus attentifs, l'autre les utilise avec profit grâce à la diversité de son exploitation. La collaboration entre la montagne et la plaine, même en dehors de la sphère des plants sélectionnés, est à l'avantage de tous les hommes de la terre. Le sélectionneur de la montagne, l'agriculteur de la plaine, parce qu'ils travaillent tous deux le sol de la même patrie, vivront toujours en commun l'éternel espoir de bénéfiques récoltes.